Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Cueillette des champignons. Aujourd'hui, on est sur un spot absolument superbe, rempli d'amanites tue-mouches. Donc je vais vous le montrer, on va les regarder ensemble et vous allez voir, c'est absolument superbe. Pour les fidèles à la chaîne, un grand merci. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en dessous là, juste là. Activez la cloche pour les nouvelles aventures ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors là, regardez, tout le long de ce petit chemin, nous avons des amanites tue-mouches. Voilà, Amanita muscaria. Et dans les Vosges, en ce moment, c'en est absolument rempli. Regardez ça. Voilà. Magnifique. Vous voyez que son petit anneau, sa petite jupe. C'est la troupe. Il y en a absolument partout. Magnifique. Donc, je vais en ramasser une, je vais la ramener à la maison et on va regarder ensemble. Voilà. On va la prendre en entier. Allons-y. On va se positionner. Juste un instant. Voilà. On va bien prendre, la prendre en entier. Donc là, regardez, vous avez l'amanite tue-mouche. Je l'ai cueilli et on va regarder ça ensemble à la maison. Voilà. Salut les champipotes, donc nous voilà rentrés à la maison avec notre amanite tue-mouche, comme vous pouvez voir. Donc avec un chapeau rouge assez prononcé, couvert de petits flocons blancs, enfin des petites verrues, voilà. Et c'est là justement où il faut faire très attention, c'est que avec la pluie, ces petites verrues peuvent disparaître et le chapeau s'éclaircir et des gens peuvent penser qu'ils ont des oranges, mais il n'en est rien. Il suffit juste de regarder dessous et vous verrez que les lames sont blanches, tandis que l'amanite des Césars, elle est jaune, voilà. Alors là, nous sommes en présence d'une belle amanite muscaria, voilà, c'est son nom, en latin, le nom de l'amanite tue-mouche. Et celle-ci est avec un voile jaune, donc elle est un peu différente des autres. Malheureusement, on ne verrait pas avec la couleur, mais c'est un voile jaune. Nous avons donc un bulbe, le pied, ce n'est pas une volve, c'est un bulbe, voilà. Nous avons donc le long pied avec le voile. Le voile qui est comme une jupe en fait. Voilà. C'est un anneau un peu en membraneux. Vous voyez, très très fragile. Très fragile. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans la forêt, il y en avait absolument partout. Certaines personnes disent que trop d'amanites tue-mouche annonce la fin des cèpes. Donc nous verrons bien, justement. Alors on les trouve à la fin de l'été et au début de l'automne.
Et en troupe, là il y en avait beaucoup, comme vous avez vu, il y en avait absolument partout. Voilà. C'est une toxique, c'est un champignon très toxique qui peut provoquer des vomissements, des nausées et des hallucinations. C'est pour ça que certains chamans en font des décoctions. Mais je vous l'interdis. Voilà. Donc la description du champignon, vous avez des lamelles blanches, voilà, une volve, c'est volve pas apparente, mais un gros bulbe arrondi ici, et les verrues partout sur le chapeau, voilà. On va regarder d'un peu plus près.